C'est bon? C'est bon, Innocent? Oui, c'est bon. Oui. Bonjour, chers auditeurs de Radio Tam Tam. Vous êtes en direct pour notre première émission concernant Terre africaine. Quelle opportunité pour les jeunes? Notre invité d'aujourd'hui est un jeune béninois qui est coordonnateur de l'organisation Yala depuis Cotonou au Bénin. Cela dit que 70% de la population africaine est jeune et selon les études des Nations Unies pour l'atteinte de l'agenda 2030, le taux de jeunes en Afrique va augmenter de 7%. Aussi, 54% des jeunes Africains veulent s'investir dans l'agriculture. Mais le plus grand obstacle auquel ils font face est la difficulté d'accès à la terre. Face à ces défis, les jeunes leaders doivent se lever pour travailler et à faciliter désormais leur accès à la terre. Et ceci doit passer par l'information, la formation sur les bonnes pratiques foncières adaptées à la culture africaine. C'est dans cette optique qu'est née l'émission La Terre africaine, en collaboration avec Radio Tam Tam, ici à Besançon en France, pour venir au secours des jeunes et faire entendre leur voix auprès des États africains, les partenaires internationaux. Nous vous demandons aujourd'hui de vous connecter en live pour suivre notre première émission d'aujourd'hui avec notre invité. Bonjour Innocent Oh. Antoine. Bonjour, l'animatrice, félicité. Oui, je souhaite que si vous pouvez vous présenter d'abord votre organisation et puis aussi vous-même en tant que coordonnateur. D'accord, moi je suis Innocent Antoine Wedi, je suis spécialiste des questions foncières. Je viens donc du Bénin. J'ai eu à travailler dans le cadre donc du foncier sur beaucoup de projets des partenaires, beaucoup de projets de l'État. Et également, je suis le coordonnateur donc de YILA, Youth Initiative for Land in Africa, l'initiative des jeunes pour le foncier en Afrique. Et cette organisation est née juste sur la base donc des problématiques que vous venez d'évoquer. Et également en 2019, quand on était à la conférence de la politique africaine où on avait près de 500 experts, nous avons constaté que la thématique foncier et jeunes est peu soulevée. Et donc, c'est ça qui a mobilisé les jeunes qui étaient présents donc à cette conférence à se mettre ensemble pour mettre en place cette organisation. Et aujourd'hui, l'organisation a déjà des points focaux dans plus de 20 pays d'Afrique et continue à faire son chemin. Nous travaillons pour pouvoir atteindre les grands objectifs sur la formation, sur le leadership des jeunes, sur également les échanges. Et quand vous voyez bien, on a une conférence annuelle qui doit regrouper tous les jeunes pour échanger sur les problématiques. Parce que la question des jeunes doit être débattue par les jeunes, mais tout en se basant sur les expériences des aînés, comme les rois, comme les présidents de la République, comme les députés. Voilà. Donc, nous pensons qu'au cours donc, de cette conférence, nous allons échanger. Nous avons mis en place une plateforme de formation en ligne qu'on appelle le YILA Training Center. Et donc, ça va permettre également de renforcer les capacités des jeunes, surtout professionnels qui sont dans le secteur, pour éviter que les erreurs qui les amènent à créer des conflits et à ne pas savoir quels sont leurs droits, tout ceci soit réglé. Donc, en général, voilà un peu ce que fait YILA. Et nous remercions tous nos partenaires comme l'ANDESA, COLANDEF, GIZ, NELGA,
également UN Habitats. Donc, il y a autant. Si nous n'avons pas cité votre nom, nous remercions tous ces partenaires qui nous accompagnent afin que nous puissions être au niveau où nous sommes. Merci. Merci beaucoup pour cette très bonne présentation. Et comme vous disiez là qu'il y a d'autres jeunes aussi, est-ce que seulement c'est les jeunes de l'Afrique de l'Ouest? Est-ce que aussi il y a aussi d'autres jeunes aussi dans tout le continent africain, de l'Afrique centrale, parce que l'Afrique est tellement vaste. Et en plus aussi, le site internet de IALA, il y a aussi une partie en anglais et puis aussi une partie en français. Moi, je trouve ça, c'est une bonne initiative. Et ça veut dire que ça doit regrouper tous les jeunes de l'Afrique parce que le problème foncier, c'est un problème récurrent dans tout le continent africain. Bien sûr, quand vous regardez bien, je parle d'abord de la coordination internationale qui est déjà représentée, en fait, qui est représentée par plusieurs personnes de plusieurs nationalités. Celui qui conduit donc le train et comme ça vous voyez il y a Kenya, oui, il y a Kenya qui est dans le bureau de la coordination, il y a Sénégal qui est dans le bureau de la coordination, il y a RDC qui est dans le bureau de la coordination, il y a Ghana qui est dans le bureau de la coordination, il y a Nigeria qui est dans le bureau de la coordination. Il y a le Mali qui est dans le bureau de la coordination. Il y a le Burkina Faso qui est dans le bureau de la coordination. Il y a la Tunisie qui est dans le bureau de la coordination. Donc, vous voyez, donc globalement, vous voyez déjà la configuration du bureau de la coordination. Ensuite, et les différents pays, nous avons maillé, par exemple, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est et l'Afrique maghrébienne, parce que nous avons été invités même à des conférences sur la région arabe pour voir un peu comment les jeunes pourront avoir accès à la terre en région arabe sur la base des cultures musulmanes, des cultures ainsi de suite. Donc, vous voyez déjà, nous avons déjà fait beaucoup pour mailler un peu toute l'Afrique. L'Afrique centrale, vous voyez, il y a le Cameroun qui est avec nous, il y a Congo, les Congo qui sont avec nous. Donc, voilà un peu ce que je peux rapidement dire. Ah oui, c'est vrai que je vois là que c'est un très bon maillage de tout le continent africain parce que le problème foncier, c'est un problème récurrent partout. Et on voit là, les multinationales viennent pour s'accaparer des terres ancestrales, de nos terres, pour pouvoir exploiter des cultures qui ne sont pas les cultures non vivrières, c'est-à-dire que des cultures qui seront faites pour exploiter, je pense aux grandes multinationales comme Olam, qui exploitent des forêts vierges. Il y a aussi des problèmes. Il y a des problèmes fonciers, il y a aussi des problèmes environnementaux. Est-ce que l'organisation IALA se préoccupe aussi de ce sujet-là? Parce que vous avez cité le Mali, le Burkina Faso, ce sont les pays sahéliens qui ont beaucoup de problèmes hydriques. Oui, Antoine? Oui, je voudrais d'abord présenter le contexte. Je voudrais d'abord présenter le contexte. Oui. C'est vrai, les multinationales viennent s'accaparer de nos terres entre griffes. Mais en réalité, nous n'avons pas su faire la bonne politique. D'accord. Parce que si on avait fait la bonne politique, ces terres-là ne seront pas, et comme on le dit, bradées. Ces terres-là ne seront pas accaparées. Mais ces terres seront utilisées pour le bien-être donc, de toute l'Afrique et donc de tous les jeunes africains. Et je voudrais d'abord présenter rapidement un contexte. Quand vous regardez correctement, nous voyons qu'aujourd'hui, en fait, l'Afrique contient 20% des terres immergées. Nous voyons qu'aujourd'hui, en fait, l'Afrique. Et ensuite, nous avons
aujourd'hui 30 415 873 kilomètres carrés à la surface de l'Afrique. Et quand nous allons un peu plus loin, nous constatons que l'Afrique possède 60% des terres non cultivées au monde. Déjà, c'est un grand potentiel pour nous, jeunes Africains, de pouvoir prendre nos responsabilités. Et c'est parce que nous n'avons pas pris nos responsabilités depuis un certain temps que nous voyons tout ce qui arrive et que nous voyons qu'il y a certaines multinationales qui, en griffe, s'accaparent, mais ils ne s'accaparent pas, mais on leur donne l'autorisation de s'accaparer. Donc, c'est d'abord nous-mêmes qui autorisons ces multinationales à venir et à prendre contrôle de nos terres. Mais cela devrait être fait dans un processus où l'Afrique devrait gagner et non une personne. Donc, normalement, c'est l'Afrique qui devrait gagner et non une personne. Mais ce que nous voyons, parfois, c'est une personne ou bien c'est quelques personnes qui autorisent cela et qui en profitent au détriment de tous les jeunes Africains. Donc, je voudrais inviter les uns et les autres à prendre les responsabilités. Donc, nous devons prendre nos responsabilités et c'est ce que nous avons fait. Et maintenant, nous sommes en train de prendre nos responsabilités. Nous ne prenons pas nos responsabilités pour aller vers la guerre, mais nous prenons nos responsabilités pour opérer une rupture et maintenant et mettre en place un système de transparence de façon à ce que nos terres qui sont exploitées soient exploitées non seulement au profit des exploitants, mais au profit des Africains, au profit de l'Afrique, au profit du développement de l'Afrique. C'est pareil, c'est dans ce même profit que vous allez voir les pays sahéliens qui également aujourd'hui, et avec ceux qui sont avec nous, on est en train de mettre en place un projet de reboisement pour permettre un tant soit peu de donner une solution à la question, à la question du changement climatique. Donc nous avons effectivement besoin de terres dans ces pays-là pour pouvoir implémenter un tel projet et contribuer également à la résorption des effets pervers donc climatiques dans ces pays. Merci. C'est vrai que ce que vous dites là, le projet de reboisement aussi, le Sénégal aussi a mis en place aussi un projet de reboisement des mangroves, c'est aussi une très bonne initiative. C'est vrai, ce que vous dites là, c'est tout à fait vrai que c'est à la jeunesse africaine de se prendre en main, effectivement, de travailler avec les différentes autorités qui sont les préfets, les sous-préfets, qui sont les maîtres d'ouvrage, qui connaissent effectivement les populations rurales, puisque les préfets, ils vivent avec eux, et puis aussi les notaires. Ce que vous dites, c'est tout à fait vrai que c'est à la jeunesse africaine de ne plus devenir des gens qu'on est là en train d'exploiter, c'est à eux-mêmes maintenant de se prendre en main pour pouvoir se prémunir et se protéger contre ces multinationales. C'est pourquoi l'initiative de Yala est une très bonne initiative parce qu'elle englobe toute la jeunesse africaine. Et je vois là aussi qu'il y a les problèmes aussi au niveau de l'Afrique centrale. Nous, là-bas, c'est beaucoup la forêt vierge. Et cette forêt vierge-là est effectivement exploitée par des multinationales qui ne respectent rien, qui ne respectent pas les valeurs ancestrales, qui ne respectent pas les problèmes de la protection. C'est vrai, il faut protéger les animaux, mais avant tout, il faut protéger les humains. C'est comme vous avez cité là le Kenya qui est membre de votre organisation, c'est un pays beaucoup touristique, qui protège mieux l'environnement avec des animaux sauvages. Il y a eu une bonne cohabitation. Ça veut dire que l'initiative est là de travailler sur les questions foncières, c'est une très bonne initiative. Et moi, je voulais vous demander, est-ce que les gouvernements des pays que vous avez cités là soutiennent votre initiative?
Merci beaucoup, merci. Vous voyez, en guise d'exemple ici dans mon pays, je crois que activement on a déjà organisé une première conférence ici soutenue par toutes les autorités ici au Bénin. Donc le gouvernement nous a soutenus. Donc je remercie déjà le gouvernement du Bénin pour tous les efforts qu'il fait pour accompagner l'organisation sur place. Deuxième chose, pour les États qui sont, en fait, les pays qui sont membres, que nous avons déjà fait un système de maillage pour toucher les chefs d'État et les gouvernements et à travers les points focaux qui sont sur place dans chaque pays. Donc, voilà globalement ce que nous avons fait. Donc, chaque État sait que nous existons et c'est qui est notre point focal, parce qu'il y a eu des correspondances qui sont parties en direction de chaque pays. Merci. Ah oui, c'est très très bonne initiative. La dernière fois que nous avions aussi discuté, là, nous avons abordé des sujets tels que, par exemple, comment les jeunes, le droit foncier ancestral et le droit foncier coutumier, comment les anciens au village peuvent aider les jeunes à créer par exemple des espaces communautaires. Est-ce que sur Yala, vous avez aussi déjà abordé cette question de problématique-là au niveau ça veut dire de créer par exemple des coopératives. Moi, j'ai vu sur le site internet, il y a des très très belles images de plantations. Est-ce que les plantations-là, ce sont des coopératives que les jeunes se regroupent? Comme on dit, l'union fait la force. Est-ce que ce sont des plantations individuelles? OK, je voudrais rapidement souligner que nous travaillons dans ce sens-là parce que vous voyez, chez nous, c'est au bout de l'ancienne corde que nous devons toujours tisser la nouvelle. Ça, c'est le mot d'ordre. En matière foncière, il n'y a pas de génération spontanée. En matière foncière, il faut se baser sur les cultures, sur les pratiques ancestrales. Je ne parle pas des fétiches, mais je parle des pratiques ancestrales. Il y a de petites techniques. D'accord? Il y a de petites techniques qu'il faut utiliser lorsque, par exemple, ceux qui sont beaucoup plus les répondants, je prends par exemple les rois. Je prends par exemple les chefs de collectivité, je prends par exemple les chefs de famille, je prends par exemple les hauts dignitaires. Eux, ils connaissent comment nos ancêtres avaient pris contrôle des terres, ils savent comment la terre est exploitée, ils connaissent l'esprit, l'âme de la terre. Et à partir de ce moment, nous devons aller à leur école. Et aller à leur école, c'est d'aller faire des études ou d'aller analyser quelles sont les bonnes pratiques foncières, coutumières et ancestrales qui existaient dans chaque communauté. Et donc, un espace communautaire est créé pour que, à partir de là, nous puissions avoir les pratiques quand nous prenons chaque ethnie ou bien chaque type de communauté. Nous puissions avoir les bonnes pratiques utilisées. Et quand les bonnes pratiques sont cernées, je crois qu'un jeune issu de cette communauté n'aura pas de difficulté à avoir l'accès. Il sait comment s'y prendre. Il sait sur quelles pratiques coutumières et ancestrales, sur quelles pratiques il doit se baser pour pouvoir accéder donc à cette terre. Sinon, ce qui se passe, c'est quoi? On dit, on est jeune émancipé, aux jeunes émancipés. Connaissant pas les pratiques coutumières, on va se pointer pour dire nous voulons la terre. Alors que dans certaines pratiques, on dit que le jeune ne peut pas avoir accès à la terre tant que son papa vit, tant que ses oncles vivent, tant que sa maman vit, c'est aux parents de lui céder l'héritage. Alors qu'aujourd'hui, si le papa, par exemple, a 2 hectares en héritage et que le jeune veut 10 hectares pour mettre en place un projet, il y a un problème qui se pose. Il y a un problème qui se pose. Donc, c'est pour ça que, en tant que jeunes, nous devons
faire taire nos émancipations et aller à l'école donc, de ces coutumes et de ces pratiques foncières, coutumières et ancestrales et maintenant connaître les techniques pour pouvoir demander la terre à nos autorités, demander la terre à nos dignitaires, demander la terre à nos rois, demander la terre à nos maires, demander la terre à nos autorités gouvernementales. Donc, voilà un peu comment c'est organisé. Et je voudrais vous dire, nous avons un projet qui démarre bientôt, qui est quoi? Une enquête dans les espaces communautaires pour voir est-ce que les espaces communautaires, comment est-ce que les espaces communautaires sont dégagés? Est-ce que ça prend en compte l'aspiration ou l'intégration des jeunes? Quels sont les espaces qui sont prévus pour installer des jeunes pour la production ou pour telle activité? Donc, c'est un projet qui est vraiment déjà en avance. Et quand nous allons commencer, je vais pouvoir partager les images avec nos auditeurs et partager également avec vous et rendre disponible également sur notre site web. C'est vrai, ce que vous dites là, c'est tout à fait vrai que le problème des terres en Afrique, il n'y a pas seulement, c'est récurrent dans toute l'Afrique, que quand les parents vivent encore, l'enfant ne peut pas chercher à posséder le terrain. Dans l'ensemble, en elle-même, les terres appartiennent à l'État, mais nous jouissons, parce que nous vivons là, donc les terres nous appartiennent parce qu'on est toujours revenu là. C'est comme ça, vous avez dit tout à l'heure là, le titre foncier. Et dans toute l'Afrique maintenant, on dit que les personnes qui possèdent cette terre-là, ils doivent avoir un titre foncier. Parce que les rois, comme vous avez bien cité là, c'est toujours été des coutumes issues de l'époque coloniale, n'est-ce pas? Maintenant, comme le monde évolue, comme l'entrée de notre émission, on disait que 70% de la population africaine est jeune. Ça veut dire qu'en 2030, l'histoire de l'humanité, que le continent africain sera le plus jeune continent. Ça veut dire que nous serons plus nombreux et cette jeunesse-là et cette population-là, il faut les nourrir. Qui doivent les nourrir? Ce sont les agriculteurs, ce sont les paysans. Donc votre initiative était bonne. Pourquoi? Parce qu'il faut maintenant préparer maintenant l'avenir, protéger nos terres au niveau juridique et aussi au niveau coutumier, hein, avec les rois, avec les parents, avec les autorités qui sont les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs. C'est ces gens-là, c'est ces autorités-là qui gèrent les terres pour pouvoir faire en sorte que les jeunes puissent avoir accès au terrain par rapport aux espaces. Ça dépend de quel genre de culture que le jeune va cultiver. Est-ce que ce sera les taros, les haricots? Est-ce que la terre est arable? C'est tout un tas de processus. Sur toute cette question-là, est-ce que vous êtes aussi en contact avec des experts en topographie, des agronomes? Oui, vous avez souligné un point très, très, très important. C'est vrai. Vous savez, YILA, c'est un ensemble. Mm-hmm. Et en notre sein, on a dit, tous ceux qui sont membres, les jeunes qui sont membres, il y a des topographes, il y a des ingénieurs en topographie. D'accord. Il y a des ingénieurs en droit de femmes, il y a des ingénieurs en droit foncier. Et donc, c'est des profils assez diversifiés et des profils qui et également des profils ayant beaucoup d'expérience dans le secteur. Donc, c'est des jeunes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que nous ferons, nous avons déjà la main d'œuvre. Nous avons déjà ceux qui peuvent faire le travail qui se retrouve en notre sein. On ne va pas courir ailleurs pour aller chercher autre chose. Tout est avec nous. Vous avez l'expertise avec vous. On a l'expertise avec nous. Donc, ça, c'est déjà un grand atout. Deuxième atout, vous avez parlé un peu de l'agriculture.
Vous savez, je vais vous donner, je vais vous dire quelque chose. Quand nous prenons l'Afrique, à plus de 80%, l'agriculture est beaucoup plus développée par les jeunes femmes et les femmes. Donc, les femmes mères, les jeunes femmes à 80%. À partir de ce moment, nous voyons déjà et majoritairement, il y a des jeunes qui sont dedans parce que les aînés, beaucoup plus, sont là pour superviser souvent dans les champs, mais ce sont les jeunes qui ont les bras valides et qui débroussaillent, c'est eux qui font les sillons, c'est eux qui mettent les semences dans le sol, ainsi de suite. Donc, ce que nous pouvons rapidement, c'est-à-dire que la jeunesse aujourd'hui devrait être vraiment entretenue pour pouvoir garantir une autosuffisance alimentaire à l'avenir. À l'avenir. Et c'est pour ça que je dis souvent, l'Afrique est l'espoir de l'humanité. L'Afrique est l'espoir de tout le monde entier. Et nous devons, tel que vous l'avez dit, protéger, promouvoir les jeunes sur ce terrain-là et les aider progressivement à améliorer leurs pratiques d'utilisation. Et c'est pour ça que je respecte beaucoup plus la loi béninoise en matière foncière. La loi dit que même les coutumes sont prises en compte. Comment? Lorsque il y a une collectivité qui détient des terres, ça peut être 50 hectares, 10 hectares, 5 hectares, la loi dit, vous pouvez demander votre titre foncier, même si vous n'avez aucun titre, même si vous êtes premier occupant, demandez. On vous délivrera un acte que nous appelons attestation de détention coutumière. Et ça vous permet de, ça montre que vous détenez un droit de jouissance de cette terre qui permettra à l'État maintenant d'établir un titre au nom de cette collectivité qui pourra vous permettre d'avoir une terre assez sécurisée que vous pourriez mettre en bail ou que vous pourriez affecter à vos jeunes de la famille ou de la collectivité, ainsi de suite. Donc, vous voyez, donc nous avons beaucoup à faire pour arriver. Nous devons vraiment nous appuyer sur les jeunes en agriculture et nous devons nous appuyer sur les femmes. C'est très important. Donc, les jeunes et les femmes sont des variables assez importantes que nous devons prendre en compte pour pouvoir développer l'autosuffisance alimentaire de l'Afrique. Ah oui, merci beaucoup que vous mettez les femmes en avant et puis aussi le respect coutumier la loi foncière en République du Bénin. C'est très important, merci beaucoup. Et moi-même qui vous dis là, moi j'avais ma formation initiale avant de travailler. Je suis ingénieur agronome de formation. Là, je n'ai pas mon mémoire, là, tout le monde, je vous le montre. La prochaine fois qu'on fera l'année, je vous montrerai, mais quand même, mon mémoire de fin d'études. Moi, je me suis beaucoup spécialisée dans la production du maïs. Parce que je pense, pourquoi le maïs? Parce que je pense qu'avec le maïs, on peut faire tout. On peut faire tout avec le maïs. On peut faire tout, des médicaments, de l'huile, le couscous, la bonne farine pour les enfants. Le matin pour les mamans, on va revenir pour les femmes, et parce que c'est nous, la maman, maman, c'est la matrice, la femme est la mère de tout. Sans cette matrice, rien ne peut se faire. C'est très, très important que l'organisation y a là, prenne en considération les femmes et surtout les mettre en avant. On voit beaucoup en Afrique. Au niveau de l'agriculture paysanne, ça veut dire que l'agriculture non mécanisée, c'est beaucoup nos mamans, hein, moi je vois ma mère à l'époque, à son âme, cultivait avec la puissance du bras.
Et à ce propos, je pense que, je ne sais pas, est-ce que vous envisagez plus tard, dans le long terme, pour essayer un peu de mécaniser, comment dirais-je, d'industrialiser avec la mécanisation de l'agriculture par rapport à nos mamans qui cultivent toujours, soit avec le bébé au dos et tout ça, comme on a dit là que la population africaine. En 2030, ce n'est plus loin. Nous sommes là presque à la fin de l'année 2021. Bientôt 2022, 2030, c'est à la porte là. C'est-à-dire que la population ne cesse d'augmenter. Il y aura des problèmes hydriques, il y aura les problèmes des terres que vous prenez là à bras le corps. Ça veut dire que la question foncière va venir récurrent partout en Afrique, partout en Afrique. Il y a aussi les problèmes environnementaux, des problèmes écologiques. Ça, c'est tout un tas de problèmes que votre organisation est là en train de mettre en place. C'est vrai que vous avez beaucoup d'espoir. Est-ce que vous prenez aussi en compte aussi les problèmes de futur, mécaniser l'agriculture africaine? On ne va pas dire de l'industrialiser parce que ça va aussi causer aussi d'autres problèmes environnementaux et des problèmes hydriques parce que nous, moi je suis de l'Afrique centrale, nous avons des pluies assez violentes, ça veut dire que des pluies diluviennes et à ce propos, quelles sont les, comme vous avez des expertises, comment on peut aussi prendre ce taux-là, moi je vois au Burkina Faso. Burkina Faso, ils n'ont pas accès à l'eau, à la mer, mais ils construisent des cuves souterraines pour pouvoir conserver l'eau et pouvoir arroser les mamans. Je sais qu'il y a très longtemps, je soutenais les femmes de Yako. C'est aussi un lycée. Hein. Le lycée de Yako au Burkina Faso, je les envoyais les graines. Je suis partie même là-bas. C'est comme vous avez bien souligné, ils cultivent toujours avec la force du bras. C'est compliqué. C'est comment vous voyez tout ça là pour soulager les femmes africaines? Merci, merci beaucoup, félicité. Je voudrais vous dire que nous avons déjà pensé à cette solution. C'est pour ça que je souris, nous avons pensé à cette solution. Nous avons un projet qu'on appelle Tell Me My Land. Oui. Parlez-moi de ma terre. Alors, Tell Me My Land, c'est 10 millions de terres, 10 millions de jeunes contre la désertification. On peut dépasser ça? Si on arrivait à avoir des partenaires ou à avoir des États qui nous soutiennent beaucoup plus, on peut dépasser ça. Mais on commence sur la base de cela. Et c'est un projet qui intègre la question de la gestion foncière, la question du changement climatique, la question de l'agriculture, la question de l'eau. Et il va s'agir que nous mettons en place des villages agricoles dédiés aux jeunes et qui va leur permettre en même temps d'être en train de travailler, en même temps de faire des recherches, en même temps donc pour permettre aux États de prendre des décisions pour améliorer un certain nombre de choses. Donc vous voyez déjà, c'est tout un système qui prend en compte tout ça. Et ce projet doit être mis doit être implémenté dans tous les pays qui seront membres de l'ILA. Et aujourd'hui, il y a déjà deux pays qui sont sélectionnés qui vont conduire le projet en phase pilote. Il y a le Bénin et Congo démocratique, donc RDC. Vous voyez déjà, donc dès que nous allons amorcer la phase pilote, tout est déjà prêt. Nous allons commencer. Je partagerai également les fruits, les recherches, les résultats des recherches, des travaux donc des jeunes dans ces pays avec vous, pour vous permettre de suivre un peu l'évolution de ce projet avec nous, pour voir effectivement si cela ne résout pas donc ces différentes problématiques que vous venez de soulever. Donc, ça fait un projet, mais qui résout plusieurs situations, plusieurs problèmes. Voilà, merci. C'est bien ça. Une seule équation qui résout tout le reste. Exactement. Voilà. Oui, c'est vrai que vous avez aussi parlé aussi au niveau de la loi
foncier, la loi foncière en République du Bénin. Est-ce que, avec d'autres pays, est-ce que vous vous mettez, qui sont membres des autres jeunes d'autres pays, vous vous mettez en relation au niveau juridique de voir comment ces lois-là peuvent être harmonisées? Je ne dis pas qu'on ne va pas devenir une République fédérale des États africains, mais on nous parle au niveau économie, je ne sais pas, au VADA et tout ça, là, au niveau économie, mais au niveau de l'harmonisation des lois la loi foncière, est-ce que vous pouvez faire aussi des réunions d'échange au niveau, que tu sois au niveau, par contre, au niveau, les problèmes que vous avez soulignés là, les problèmes coutumiers au niveau des terres et tout ça, pour ça, moi, je suis en tant qu'Africaine, je les connais. Je les connais, je les connais, mais moi je parle maintenant au niveau juridique. Est-ce que, parce que certaines lois sont issues de la colonisation. Ah, il y a la colonisation française et puis aussi le Kenya, je crois que c'est anglaise. De voir comment vous pouvez harmoniser des lois pour que les lois puissent être unies pour pouvoir aider les jeunes. Bien sûr que c'est un travail à faire avec les gouvernements de ces pays qui vous soutiennent, qui soutiennent l'initiative. Et c'est possible de pouvoir faire en sorte que si vous arrivez à aimer la loi de votre pays, que vous m'avez dit là, j'aime cette loi-là, qui encadre bien des choses, est-ce que cette loi-là peut être aussi harmonisée pour des autres États membres? Des autres jeunes qui sont issus de d'autres États membres, comme la République démocratique du Congo, qui fait beaucoup de travail, hein, qui fait beaucoup de travail, malgré que c'est un pays qui est quand même encore un petit peu en guerre, tout ça, là, mais c'est un pays vraiment qui se développe dans tout le niveau économique d'ailleurs, hein, qui diversifie aussi beaucoup de son économie. Comment vous pouvez voir ça au niveau de la loi pour l'harmoniser? Merci, merci beaucoup. Je voudrais vous dire le premier espace que nous avons dédié pour faire ces échanges, ces dialogues d'harmonisation des tests, c'est d'abord la CIGOFA, la Conférence internationale sur la gouvernance foncière au profit des jeunes en Afrique. Ah oui, c'est bien ça. Voilà. Donc, c'est au cours donc, de cette conférence qu'on échange parce qu'il y a plusieurs pays qui s'interagissent et qui partagent les différents tests et tout ça. Et puis, on arrive à voir quels sont les succès d'un pays et quels sont les échecs de l'autre et qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et ça permet à chacun de repartir avec des décisions qui pourront contribuer à l'amélioration du système de tenue foncière donc de chaque pays. Donc, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, nous essayons de plus en plus de mettre plusieurs États ensemble pour permettre à ces jeunes de coécrire des articles. C'est-à-dire, on fait une étude comparée des pays et on écrit des articles pour permettre à ce pouvoir un peu qu'est-ce qui a avancé d'un côté, qu'est-ce qui n'a pas avancé et tout. Donc, ça motive les décideurs politiques de savoir que, ah, attention, quand on a fait tel article et comparé le système de tenue foncière, les tests juridiques, voilà ce qui va ici, et pour leur permettre quand même de voir. Donc, l'exemple, c'est ce que nous avons fait, par exemple, avec le Sénégal et le Bénin, pour voir une étude comparée des tests, pour voir qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui n'a pas avancé. Sur, par exemple, l'accaparement des terres. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième aspect des choses que nous avons mis en place pour pouvoir permettre un peu l'harmonisation des tests. Et sur tout ça, nous sommes en train de faire l'effort pour que l'organisation soit intégrée dans les institutions régionales telles que l'UEMOA, telles que la CEDEAO, pour que nous puissions quand même arriver à partager toutes ces expériences et toutes ces belles expériences que nous sommes en train de faire avec les aînés pour leur permettre quand même de pouvoir avoir, en fait, pour que nous puissions partager
afin que une harmonisation en fait des tests soit évidemment au rendez-vous. Et je ne vais pas vous cacher que nous avons eu la chance, et nous remercions déjà l'Union africaine qui a eu la chance de nous inviter à la table pour pouvoir participer à la validation de la stratégie de gouvernance foncière de l'Union africaine. C'est très capital de le souligner. Donc aujourd'hui, il y aura une stratégie sur la gouvernance foncière de l'Union africaine où nous avons été humblement invités pour participer au débat, pour apporter notre pierre, pour partager nos expériences afin que réellement la problématique, les difficultés des jeunes soient prises en compte et que des solutions également que nous prévoyons soient prises en compte dans une telle gouvernance, dans un tel document de stratégie. Ça, c'est pour le bien de tous les pays membres de l'Union africaine. Et comme ça, c'est l'Afrique qui gagne. Et pour ça, c'est l'Afrique qui gagne. Effectivement, vous suivez notre émission d'aujourd'hui, Terre africaine, quelle opportunité pour les jeunes, avec notre invité, Monsieur Innocent Antoine Luigi, coordonnateur de l'organisation EALA, en direct de Porto Novo au Bénin. Porto Novo, c'est la capitale de la République du Bénin. Voilà, et on va toujours revenir à notre question d'aujourd'hui. Quelle opportunité pour les jeunes Africains par rapport à toutes ces bonnes initiatives que vous venez de me dire là, que votre organisation a déjà eu une très très une expérience très très robuste avec des bonnes initiatives que je ne savais pas depuis que nous discutons ensemble. Maintenant, moi aussi, je les découvre ensemble avec les auditeurs. Et vous êtes une organisation assez robuste. Alors, la notre question d'aujourd'hui, quelle opportunité pour les jeunes quand ils possèdent leur terre? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leur lopin de terre, 1 hectare de terre, 10 hectares de terre, pour pouvoir nourrir autant de milliards d'êtres humains d'ici 2030? C'est à notre porte, c'est-à-dire que nos enfants seront, ou moi, je suis plus âgée, mes petits-enfants. Comment il va falloir les nourrir? Quels sont les objectifs? D'accord. Vous voyez, vous venez de souligner la toute première opportunité, c'est la facilitation à la pratique agricole, parce que désormais, les jeunes qui ont envie de faire carrière dans l'agriculture ne vont plus dire « nous n'avons pas l'argent pour avoir la terre, nous n'avons pas ceci pour avoir la terre », mais désormais, cette solution, elle est là. Ce qui leur reste, c'est de chercher des financements pour avoir les intrants et pouvoir développer leur agriculture. C'est la maîtresse de l'agriculture, la maîtresse de l'agriculture, c'est la terre. Et si cette problématique est en train d'être résolue, je crois que c'est déjà un grand succès pour l'agriculture africaine. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, les jeunes aujourd'hui pensent que c'est il faut avoir des activités. Vous savez, aujourd'hui, l'Afrique doit redimensionner et doit promouvoir les nouveaux métiers en matière foncière. C'est vrai. Au profit des jeunes. Donc, les nouveaux métiers, il faut qu'on développe de nouveaux métiers. Par exemple, le gestionnaire immobilier, par exemple, conseiller foncier agricole. Voyez. Conseiller agricole, donc, vulgarisateur aussi. Voilà. Pour pouvoir aussi former aussi les jeunes aussi au niveau de la gestion. Exactement. La gestion des terres et puis aussi l'exploitation agricole doit être gérée comme une entreprise. Hein. Exactement, exactement. Ah oui. Je n'ai pas pratiqué, j'ai eu seulement le diplôme et puis moi je me suis avancée à faire autre chose puisque je me suis mariée. Enfin bref, c'est une autre histoire. C'est-à-dire qu'une exploitation agricole doit être gérée comme une entreprise. Comment? Il faut savoir dépanner, exploiter, il faut devenir même un très bon technicien, savoir installer l'électricité, avoir les mains
sur le clavier, aussi avoir les mains pour faire tout. Parce que si vous allez faire venir quelqu'un, il faut aussi, entre guillemets, de devenir aussi vétérinaire. Hein, si vous avez, vous faites l'élevage de porc, peu importe, mais avant de faire venir le vétérinaire, il faut savoir comment, savoir si votre animal est malade. Et aussi, surveillez aussi votre maïs. Est-ce que votre maïs a besoin de l'eau et tout ça là, parce que ce sont les plantes ne parlent pas. Mais ce n'est pas la visualisation qu'il faut savoir faire ça. Ce que vous dites là, que les opportunités, les nouveaux métiers, ce que vous dites là, c'est très, très vrai. C'est-à-dire que dans ce nouveau métier-là, nous devons changer le logiciel, de dire que, comme vous avez dit plusieurs fois là, nous avons des coutumes en clair, disant que voilà, si quelqu'un est agriculteur, un paysan, oh oui, il a des mains sales et tout. Non, c'est pas les mains sales, mais qui te nourrit en ville? Qui te nourrit en ville? C'est pas le paysan dont on doit avoir, comme vous avez dit là, que le respect des mamans, le respect de tous ceux qui s'engagent à l'agriculture. Ça veut dire qu'aussi, il faut savoir aussi transformer ton propre produit. En le vendant le brut, tu ne gagnes pas. En le transformant, rien ne se perd en agriculture. Bon, moi, je me suis beaucoup spécialisée sur le maïs. Non, sur le maïs, rien ne se perd. Même la barbe du maïs, on ne peut pas le jeter puisqu'on peut faire le thé avec. Rien ne se perd sur le maïs. Tout est récupérable. Tout est récupérable sur le maïs. On ne gère rien sur le maïs. Peut-être nous, on coupe ça, on prend seulement le maïs, le reste, on jette. Mais non, il ne faut pas jeter. Tout ça se récupère. Tout ça se récupère. Avec l'effet de maïs, on peut faire quoi? On peut faire, par exemple, les petites corbeilles. Il faut bien les sécher. Ou bien faire des cordelettes. Tout ça se perd, comme vous dites là, qu'il y a les nouveaux métiers, mais il faut beaucoup avoir beaucoup plus de l'imagination. L'imagination, ça ne va pas venir de l'extérieur, ça va venir, comme vous l'avez bien dit là, les nouveaux métiers. Les nouveaux métiers sont énormes. Mais moi, je suis contente que vous dites qu'il y a mais quand même les organisations comme l'Union africaine qui connaissent maintenant l'organisation IALA, qui vous invitent à la table d'aller parler et aller voir comment on peut harmoniser tout ce qui concerne des lois pour pouvoir conserver nos terres, que nos terres ne soient plus, comme vous l'avez dit là tout à l'heure, aux mains des gens qui viennent ailleurs exploiter et ils ne respectent pas nos normes, ils ne respectent pas nos us et coutumes, ils ne respectent même pas la façon de ce que nous mangeons. Ils veulent modifier la façon que nous devons manger. Non, on ne peut pas changer, on ne peut pas me dire aujourd'hui que je ne dois plus manger la banane ou je ne dois pas manger la loco. Non, c'est la façon que moi je suis, que c'est comme ça. Je ne dois pas manger le piment. Ils ne savent pas que le piment, en mangeant le piment, tu ne risques pas d'avoir une crise cardiaque. Ils ne savent pas, il y a beaucoup de choses dans l'alimentation que nous devons améliorer nous-mêmes. Et je refuse même de voir des images où on montre toujours un enfant africain avec le ventre ballonné, squeletté. Mais non, c'est parce que le système veut que ça soit comme ça. Et donc, moi, je soutiens l'initiative de Yala et je dis que ce que nous avons parlé aujourd'hui, je suis très très satisfaite. Merci. Donc il y a beaucoup d'autres opportunités, hein. Mm-hmm. Par exemple les nouvelles formations, mm-hmm, en matière foncière, parce qu'aujourd'hui il faut de nouvelles formations. Il faut des nouvelles formations pour garantir les nouveaux métiers. Mm-hmm. Donc, également, les jeunes ont tout à y gagner aujourd'hui parce qu'il y a tellement de bourses de formation en matière foncière où les jeunes qui m'écoutent en ce moment peuvent profiter pour avoir des bourses de formation et aller en même temps commencer à refaire leur profil en cette matière pour pouvoir garantir les nouveaux métiers à venir parce qu'il y a trop de métiers à venir dans le secteur pour pouvoir booster le développement de l'Afrique. Donc,
Il est très important. Donc, il y a tellement d'opportunités. Il y a tellement d'opportunités. Donc, ah oui? À tout casser, je parle des bourses, je parle des nouveaux métiers, je parle des nouvelles opportunités d'emploi. Donc, le secteur va créer suffisamment d'emplois. Vous imaginez que dans toute l'Afrique aujourd'hui, ce n'est que quelques pays qui ont des formations assez sur la gouvernance foncière, alors que quand nous regardons ces cinquantaines de pays, si chacun pouvait avoir de nouveaux métiers, c'est qu'ensemble, ils vont réfléchir aux débouchés. Qu'est-ce que ça va donner? Et comme ça, il y aura suffisamment d'emplois qui seraient créés, il y aura de nouveaux postes qui seront créés dans nos différentes institutions, il y aura des bourses de formation pour booster le secteur. Actuellement, on est à l'époque de boosting des formations. Donc, les jeunes doivent pouvoir se lever pour profiter donc de toutes ces opportunités-là. Donc, ils ont tout à y gagner. Ils ont tout à y gagner. Et les opportunités, vous restez là où vous êtes, mais vous produisez de la richesse. Et l'imitation je prends par exemple les immigrations clandestines, ça va cesser parce que les jeunes vont trouver chez eux l'Eldorado et puis ils ne pourront plus aller mourir dans la mer comme ça. Non, donc on a tout à y gagner. Donc on a tout à y gagner. Donc il y a tout chez nous. Donc nous pouvons quand même, vous voyez, donc autant d'opportunités. Je parle de formation, je parle de bourse de formation, je parle de bourse de recherche parce qu'actuellement c'est l'ère de la recherche. Il faut rechercher, il faut aller fouiller dans quelles sont les cultures, quelles sont nos coutumes et comment nous devons désormais, comment les terres se géraient et comment nous devons l'adapter à notre monde actuel de modernisation pour que les jeunes puissent avoir de la facilité. Et parler également de la limitation de l'exode rural, donc ça veut dire quoi? C'est que dès que les nouveaux métiers seront là, le système économique africaine va prendre un autre essor et comme ça nous aurons plus d'emplois qui seraient créés, les gens vont mieux gagner et comme ça on aura moins de déplacements vers ailleurs au risque de se voir tué ou au risque de mourir dans les eaux. Donc voilà un peu ce que je peux déjà dire en termes d'opportunités. Il y en a assez. Je crois qu'il y aura une émission spécifique qui serait dédiée à chaque type. Quand nous prenons la formation, qu'est-ce qui serait dedans? Quand nous prenons immigration clandestine, qu'est-ce que aujourd'hui la gestion efficace des terres apporte à la limitation de l'immigration clandestine? Qu'est-ce que cela apporte à la diaspora? Parce que, bon, voilà, nous avons des jeunes qui vivent dans d'autres pays, mais compte tenu donc du système de gestion foncière installé chez eux, ils ne veulent même plus revenir parce qu'ils se disent, bon, maintenant, pour avoir une terre chez moi, c'est tout un tas de problèmes. Il vaut mieux que j'achète là-bas et que, bon, je construis là-bas et que je reste. Ça, c'est une perte pour l'économie africaine. Bien sûr. Il faut qu'on assainisse le système de tenue foncière pour permettre à nos jeunes qui constituent la force active des autres pays à revenir chez eux pour pouvoir mettre cette force au profit de l'économie nationale ou de l'économie africaine. Donc, vous voyez un peu, on aura l'occasion de passer sur chaque opportunité. Vraiment, c'est très bien résumé au niveau de problème de l'exode rural, problème de nos jeunes. Ça fait très mal au cœur quand on voit effectivement que on voit que la mère les fait revenir, sont décédés, noyés pour traverser la Méditerranée. C'est vrai que tous les sujets que tu viens de résumer là sont des sujets qu'on va développer pendant toutes nos émissions. C'est-à-dire que le problème de la terre, développer l'agriculture, ça veut dire qu'amener des infrastructures modernes dans les villages qui sont que les gouvernants. Bon, le Bénin, c'est un pays qui avait quand même un exemple de démocratie avec le Sénégal, n'est-ce pas?
Oui. C'est-à-dire que nous avons besoin effectivement que tous nos gouvernants, qu'ils installent des systèmes de démocratie et de liberté et aussi d'entreprendre, de faciliter et même aussi de changer notre système éducatif. Le système éducatif, avant que tout le monde devienne docteur, à ne rien faire, devient docteur pour voler. Devient docteur pour devenir un beau parleur, perroquet. Dans la tête, rien. Il ne réfléchit pas parce qu'il dit, ah, je suis docteur. Mais t'es docteur, t'es rien du tout. Tu ne sais même pas fabriquer une aiguille. Tu ne sais rien faire. Vous voyez là, nous devons changer le système éducatif tel qu'il était là, de former des cols blancs, des voleurs, des tricheurs. Hein? Les cols blancs là, ce sont des voleurs, ils ne savent rien du tout. Moi, des gens dans l'équipe, vous me dites que nous avons des contremaîtres, nous avons des topographes, des ingénieurs. Le monde est fait par des ingénieurs. Le monde n'est pas fait par des docteurs. Les docteurs, c'est des gens qui sont des beaux parleurs. Ce monde tel qu'il est fait par des gens qui pensent, qui réfléchissent. Beaucoup de gens, ils ont cette peau d'âne. Oh, je suis docteur, mais t'es docteur, t'as fait quoi? T'as créé quoi? T'es même incapable de faire un truc comme ça. Même, tu ne sais rien faire. Vous voyez là? Ça veut dire que nous devons changer notre système éducatif tel qu'il était issu de la colonisation et même après la décolonisation. Ah, moi, je suis partie au Burkina Faso, j'ai vu, des fois les jeunes, ils voient encore des choses qui datent de 1957, c'est démodé. C'est-à-dire que nous devons changer aussi notre système éducatif, c'est-à-dire que former un nouveau métier tel que tu l'avais bien énuméré là, la gestion de la terre, du cadastre, le domaine au niveau immobilier, il y a tellement des nouveaux métiers qu'on peut créer, qu'on ne peut pas les énumérer là, parce qu'il y en a tellement. Il faut faire une réunion de brainstorming, de voir qu'est-ce que nous avons besoin, qu'est-ce que l'Afrique en a besoin aujourd'hui, tel que le monde est là. Nous vivons dans un monde numérisé. Notre droit foncier, nos terres doivent être numérisées. C'est ça. Je suis désolée. Tout doit être numérisé. Moi, je vois, moi, je vis en Europe, ici en France, là où je suis, ma maison. Si tu vas au service du domaine, à Cergy, tu vas voir, ah oui, le terrain, moi, j'étais même étonnée. Hein, je circulais un peu sur Google. Je dis, ah, il y a ma maison qui est là. On me dit, quand est-ce qu'il a été acheté, quand est-ce qu'il habitait là, qu'est-ce que le terrain qui était là. C'est-à-dire, il y a même l'histoire du terrain. Tout est numérisé, scanné. Ça, c'est comme vous disiez là qu'il y a des nouveaux métiers. Ce nouveau métier-là, quelqu'un qui est là, en train de faire des recherches sur le terrain, le nom du terrain, qui habitait là. Pourquoi le nom de ce village? La signification des noms des villages, maître d'hôtel, tout ça là, ça amène des touristes. Qui veut dire touristes amène aussi des devises. Amène des devises. Amène des devises dans le pays. L'agriculture, la France n'a pas de pétrole, mais il n'a que son agriculture du vin, des pommes de terre, des porcs. C'est ça. La France n'a pas de pétrole. L'Allemagne non plus. L'Espagne non plus. Ce sont les grands pays industrialisés. Pourtant, l'Afrique en est tout. Nous avons les belles terres arables. Nous avons des terres arables. Nous avons les terres moins polluées. Ça aussi, comme tu disais là, qu'il y a beaucoup de nouveaux métiers. Nos chimistes, ils doivent analyser la terre. Quel est son pH? C'est quelle culture qu'il faut cultiver sur cette portion de terre? Comment il faut faire l'assolement? L'assolement veut dire comment aménager la terre. C'est-à-dire qu'aménager la terre, ça là, ça, aménager le terrain. Est-ce que ici là, on va partager le terrain avec les patates, les arachides?
La banane, connaissant que la banane, c'est 6 mois. Les arachides, c'est 3 mois. C'est-à-dire qu'il faut comprendre l'âge de tous de tout ce que nous voulons cultiver. Tu vois là, tout ce que vous avez énuméré là, vraiment, je suis ravie pour notre première émission d'aujourd'hui concernant quelle opportunité pour les jeunes Africains. Moi, je suis ravie qu'on a abordé beaucoup de sujets. Est-ce que vous avez un mot de la fin et puis aussi nous dire la prochaine émission que nous allons préparer? Merci beaucoup, Madame Félicité. Je remercie très sincèrement la radio Tam Tam. Je remercie également vous en tant qu'animatrice. Je remercie également tous les membres de la coordination de YILA qui, quand même, ont fait ce travail pour que nous soyons à ce premier rendez-vous. Et je vous rappelle que je ne serai pas seul sur l'émission. C'est l'occasion pour vous de découvrir les talents que regorge Yila. Et donc, pour les prochaines émissions, vous verrez d'autres personnes. Pourquoi pas le Burkina Faso viendra par ici? Pourquoi pas le Mali? Pourquoi pas le Congo? Pourquoi pas le Cameroun, le Gabon? Donc, ils vont passer tour à tour. Et parler sur des thématiques parce que nous avons les mêmes langages, nous avons les mêmes, nous sommes au même niveau d'information dans les pays. Donc vous pouvez prendre un Burkinabé qui peut parler du Sénégal comme s'il était au Sénégal. Ça montre déjà la force de l'échange, des échanges qui se passent en notre sein. Donc je vous rassure et je souhaite que l'émission ait une très longue vie. Et qu'à partir de cette émission, qu'avec Radio Tam Tam, que nous puissions amorcer un plus grand tournant pour l'Afrique, avec d'autres parties prenantes. Quand vous voyez correctement, je suis habillé missé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai, nous sommes chez nous, mais nous sommes avec tout le monde. Merci. Merci beaucoup pour notre émission va bientôt s'achever. Nous serons aujourd'hui, c'était notre première émission test et moi je trouve que c'est un vrai succès au niveau technique. Et en même temps, je serais ravie que quand tout le monde va voir notre émission d'aujourd'hui, si nous pouvons effectivement organiser une autre émission avec tout ce monde-là pour pouvoir faire un grand meeting avec 5 ou 6, ça dépend du nombre qui souhaitent venir pour faire des très très belles échanges que nous avons fait aujourd'hui. Et parce que tout ce que nous avons parlé aujourd'hui, ça concerne toute l'Afrique, hein, au niveau de nos us et coutumes, au niveau de droits fonciers coutumiers. Ou familiale et issue de la colonisation, et même après la décolonisation, ça a persisté. Et puis aussi, nous avons abordé les nouveaux métiers et l'échange. Et vous pouvez nous dire pour le mot de la fin, quelle sera notre prochaine émission, ce sera le thème, ce sera quoi? Pour la prochaine émission, je crois que nous allons donner le thème sur la base des préoccupations des membres de YILA quand ils auraient regardé cette vidéo. Donc, moi, je pense que je réserve ça en surprise et je voudrais demander à tout le monde d'être connecté à nos pages pour pouvoir suivre le prochain thème du prochain numéro. Merci. Merci beaucoup. Notre émission d'aujourd'hui, Terre africaine, quelle opportunité pour les jeunes, s'achève et comme mon invité m'a dit là que la prochaine fois, c'était la première émission test. Et moi, je trouve que c'est un franc succès au niveau technique. Nous avons des très belles images en direct de Porto-Novo avec notre invité d'aujourd'hui, Antoine Innocent Widji, coordonnateur IALA.
Merci beaucoup. Cette émission est maintenant terminée. Vous étiez en direct sur Beson, ici en région parisienne à Beson, et aussi en direct de Porte Nouveau au Bénin. C'est la capitale de la République du Bénin. Merci et à très bientôt pour la prochaine émission. Merci, merci. Au revoir. Au revoir. Ouais.